édition de la Traversée Hivernale, organisée par Vincent Lancienne. Cette édition nous promet de bons parcours, de bons véhicules, plus de 700 équipages sont inscrits. On va vous les présenter au fur et à mesure de cette traversée. Avec Harold. Harold, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes le propriétaire de ce magnifique véhicule. Et oui, une 4 chevaux de 1956, complètement restaurée. Vous l'avez acquis en quelle année ? Il y a 5 ans déjà. Et complètement restaurée, moteur impeccable, peinture. Elle était dans quel état au moment de l'achat ? Elle était déjà bien entretenue par un propriétaire qui avait commencé déjà à faire quelques travaux. Et j'ai fini effectivement au niveau donc de la motorisation. Qu'est-ce qui a été réalisé sur cette voiture ? Alors j'ai refait tout le moteur, tout ce qui est les systèmes d'amortisseurs, freinage. Et l'intérieur reste encore un tout petit peu à refaire, mais sinon elle est dans l'intérieur est dans son jus ? Dans son jus intégralement. Et côté motorisation, qu'est-ce qui a été fait ? L'intégralité du moteur a été complètement refait au niveau du carburateur. Qu'est-ce qu'on a encore fait ? Tous les joints des moteurs ont été complètement refaits entièrement. Sur ce type de véhicule, c'est facile de trouver les pièces ? Extrêmement facile. Avec les systèmes informatiques ou même différents magasins aujourd'hui nous donnent la possibilité de tout refaire intégralement nous-mêmes. Et pour des coûts relativement moindres ? Vu qu'on est sur du français. Exactement. On arrive à avoir des tarifications, tout ce qui est de plus abordable. Et au niveau, pour trouver, vous avez différentes boutiques. Et au point de vue kilométrage, elle aurait combien là ? Alors ça, c'est compliqué à savoir. On n'arrive pas à savoir. Il y a juste marqué 22 000 km au compteur, mais je pense qu'elle a déjà dû faire au moins deux fois le tour. Il n'y a pas de taux de compression, là, on peut pas voir. Ah non, là, on peut rien savoir. Ça marche pas là, comme ah ça, là. Non, là, c'est juste au feeling, mais comme le moteur est propre, bon, ça va, ça se passe bien. Et vous en servez pour les concentrations ou de temps en temps le week-end ? Alors, pour les concentrations, souvent le dimanche pour la faire tourner un petit peu pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Et surtout, je fais une très grande virée qui est le week-end de la Pentecôte, où on fait le Tour de Bretagne. Donc, c'est là où elle fait son plus gros parcours sur 3 jours. Donc, elle part de Paris, elle fait la Bretagne et elle revient. Et là, ça fait combien de kilomètres à peu près ? Pratiquement aux alentours de 1100 kilomètres en 3 jours. Donc là, les moteurs peuvent s'exprimer. Hein. Ah, là, il s'exprime et là, il a intérêt d'être bien entretenu. Oui. faut faire parler les chevaux après. Ah, mais là, il n'y en a pas beaucoup. Oui, mais c'est le plaisir. C'est le plaisir, c'est exactement ça. Bon. Parole de bon parcours pour aujourd'hui. Hein. Merci à vous. Et puis, bonne route aussi. Ponté du Pondé, hein ? Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, enfin plutôt cette année, là, nous sommes en janvier 2019, Tintin fête ses 90 ans. Oui, tout à fait. Alors, il fallait marquer le coup. Donc, vous êtes aujourd'hui spécialement au Dupont et dans un véhicule différent, c'est une Méhari. Oui, tout à fait. Et donc, marquer le coup, d'autant plus que la traversée de Paris hivernale, le thème, c'est la BD. Voilà. Donc, Tintin, 90 ans, Mickey, 90 ans également. Donc, la BD est vraiment mise à l'honneur. Et c'est vrai que beaucoup d'ouvrages, style Michel Vaillant, etc., ont œuvré pour la voiture. Oui, tout à fait. Et alors, pourquoi cette Méhari ? Parce que sur les albums, il n'y avait pas de Méhari à l'époque, bien sûr. Non. Non, ils ont commencé avec une Citroën HP5, ouais. Si je ne me trompe pas. Dans le premier album, en 1950... Je ne sais plus le titre, désolé. Et ensuite, on les retrouve, les Dupont et Dupont, au volant de deux chevaux. Une deux chevaux française et ensuite une belge. Donc, fidèle à la marque Citroën depuis le début. Et d'autant plus, les 100 ans de Citroën cette année. Le grand rassemblement du siècle qui aura lieu à la Ferté-Vidame aux alentours du 20 juillet de cette année. D'accord. Et ben nous y serons. Ben, très bien. Ben... Merci à vous, chers amis, et bonne route.
Eric, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur du conservatoire Citroën Héritage. C'est ça. Et là vous nous avez une pépite, c'est un vieil autocar. C'est un autocar U23 de 1947. Qui a été entièrement restauré. Donc déjà, vous l'avez découvert en Corse. Alors oui, il a été découvert par des collectionneurs en Corse et qui nous l'ont proposé, hein, qui nous ont dit que ça serait bien de le sauver. Et donc, il était à l'état d'épave. Ah, c'était une vraie épave. Hein, et dans un fond de jardin d'un terrain ravin. Enfin bref, il a fallu le sortir. Exploité par les poules. Ouais, même plus, il y avait un âne qui l'utilisait aussi. Donc ça faisait partie de l'histoire. C'était sa chambre à coucher. C'est ça, tout à fait. Donc vous l'avez fait rapatrier. Oui, faire rapatrier. Il a pris le bateau sur un camion. Ouais. Il est revenu et puis après, il a entamé une restauration qui a duré... Une partie a été faite par l'atelier Citroën Héritage. Par les ateliers. Et puis bien sûr, comme tout professionnel auto, on a un réseau de partenaires. Et puis on sous-traite les carrosseries, les peintures, puisque ça, c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'usage de faire tout le temps. Et au bout de 5 ans, on arrive à ce magnifique maintenant. Ouais. Tout à fait. Hein. Beaucoup d'efforts, beaucoup de recherches aussi, parce qu'il a fallu un petit peu reformer, réétudier un peu. Ce bleu et ce gris, c'était des couleurs de l'époque. Alors, je pense, là, je ne saurais pas vous dire à 100%, mais de toute façon, il est relativement conforme de ce qui existait. Parce que dans les années 50, c'est beaucoup, effectivement, d'autobus, d'autocars qui étaient avec ce gris. Hein. Et puis, la société Citroën avait ses propres réseaux de transport à l'époque. Voilà. Donc, ça faisait partie des véhicules qui pouvaient être utilisés par la marque. Donc vous avez un musée où on peut admirer des super véhicules. Qui est à Aulnay-sous-Bois, hein, qui est disponible, ouvert sur réservation ou sur visite libre. Il faut aller se rendre sur le site de l'aventure Peugeot Citroën DS et puis surfer et trouver, il n'y a pas de problème, pour se prendre son ticket en ligne et puis sa visite guidée ou non guidée. D'accord, bien. Ben nous viendrons vous voir alors. Pas de souci, à votre plaisir. Merci Eric. Je vous en prie.